Bonjour les amis, vous êtes sur Dark Arcade, c'est Darkstep et aujourd'hui on continue Pikuniku. On est à l'épisode 4. Allez, c'est parti, aventure. Continuez. Donc, on était dans la partie du lac et on va aider les vers, tout court, parce qu'ils ont plus d'eau. Parce que la vilaine société est en train de tout récupérer et qu'ils ont construit un barrage sur le lac. Donc on va les aider. Go. Donc là, on pète. Ok. Par contre, je sais même plus où c'est qu'il faut. Je crois que là, on va remonter à la surface. Et qu'il va sans doute y avoir un truc. Truc à faire. Ah non, il faut. Alors oui, alors pour les aider, il faut retrouver. Non, c'est pas possible. Ah non, j'ai dû me tromper là. C'est où qu'on. Retrouver Ernie. Oui, d'accord, mais. Pas trop là. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? As-tu essayé de passer par ce drôle de tuyau là-haut? Là-haut. Comment je fais? Là-haut. Oui, donc il faut bien passer par ce genre de tuyau. D'accord. Je comprends pas tout. J'aime bien les ordinateurs. On peut même dire que j'adore les ordinateurs. D'ailleurs, j'ai même commencé à développer un jeu vidéo. Mais oh, ça prend tellement de temps. Tiens, tu peux essayer d'y jouer si ça te dit. C'est un peu basique, mais tu pourras jouer si tu trouves une console. Ah, donc on a une cartouche NES et je sais où elle va. Ok, parfait. Donc là. Petit secret. Vous avez trouvé un trophée, les vers. Très bien. La thune. On continue à avancer tranquillement. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Ça se rétrécit. Hop là. Je suis allé là, mais je sais pas si je dois aller là. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est de la dynamite. Donc là, il y a quelque chose à ouvrir. Mais on ne peut rien faire. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut bien aller de l'autre côté. Qu'il a eu lui. Intoxication ou... Hey, salut! Moi, c'est Ernie. Ah, bah voilà! On l'a retrouvé. Je sais qu'on dirait pas, mais je suis un ver. Enchanté de te connaître. Je cherchais de l'eau et j'ai trouvé cette jolie fontaine verte. Ça avait l'air tellement bon que j'ai tout bu. En fait, ce n'était pas bon du tout. Et j'aimerais bien retourner avec ma maman, mais je peux plus bouger. Tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Ramener Ernie. Ok, on va essayer de ramener. Ah, je sais pas ce que c'est. Ah, ça fait monter. Ok, ok. Donc on va le pousser. Ah, c'est rigolo comment il est. On dirait qu'il est tout un ballon de baudruche. Tu peux bouger, s'il te plaît. Thank you.
Hop, là, ça, c'est bon. Maintenant, on va là-bas. On va le faire monter. Hop. Il est passé au niveau suivant. Ah, mais... Moi, comment je fais? Ah, bah oui. Hop. Alors, paf. Ah non! Mais non! Déconne pas! Allez, pousse-le! Oh merde! Ah! Ça c'est bon! Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Allez. Oh lolololo. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, il faut que je fasse comme ça. Ah! Raté. Et calme-toi, toi. Putain, mais il est con ce verre. Bon, on va couper les notifications du téléphone parce que... monte. Voilà. Maintenant, il va falloir faire monter ça. Je ne sais pas trop comment, mais... Hop, hop, hop. Ok. Le zoom, c'est pas mal. Hein. Il suit bien le, il suit bien l'action. Donc là, est-ce qu'on peut monter là? Non. Mais et si je monte là-dessus, oui. Maman! Maman! T'as il a retrouvé sa mère. Et voilà. Bon bah il a plus la même couleur mais... Ernie, une minute. Pourquoi es-tu vert et rond? J'ai trouvé de l'eau verte et j'ai tout bu. C'était pas très bon. Oh Ernie, petit casse-cou. Au moins, tu es sain et sauf. Le machin rouge m'a aidé. Merci. Nous n'avons pas d'eau, mais au moins, toute la famille est réunie. Je pense que vos amis ont quelque chose à vous dire. Ils sont derrière.
parler aux rebelles. Et te revoilà, on a découvert quelque chose. Les vers sont des créatures fascinantes. Des créatures entortillées et fascinantes. Regarde ça. Puis où? Ok. Peut-être qu'on pourrait vaincre le robot avec l'aide des vers. Bah, le robot du lac. Ok, là, on sort. Et on va défoncer notre troisième robot, en fait. Il y a eu le robot de la forêt. Du village. Non. Je l'avais pas vu. Bête. Que je suis bête. On redescend. Ok. Le trophée de Ernie le Vert. Bam. Là, on sort. Et le robot est complètement à droite. Hey, tu es prêt à affronter le robot? À fond. C'est parti. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Le robot est furieux. Évite ses tirs. Ah, et évite de tomber. Ouais, évite. Oups. Ouh, je me suis fait dézinguer. Ok. Donc, il y a des tirs. Il y a un laser. C'est juste. Ok, c'est maintenant. Ah, il est où? Le robot n'a plus d'eau. Recharger. Attention, on bouge. Ah, qu'est-ce que ça fait? Plam. Ok, un coup. Ah mais non! Putain, comment je sais qu'il fait ça ou pas? Ah putain, et en plus je me suis trompé de bouton. Y a un truc que j'ai pas dû bien voir. Deuxième essai. C'était pas un first try, mais... Hop, go. Go. Alors, non mais comment je peux savoir ça? C'est chiant ça. Il n'y a plus d'eau.
Go, go, go! Coup. Boucher sa paille. Paf. Deuxième. Est-ce qu'avec un troisième? Tombe pas. Pas chier. Boum. Paf. Ah, là, il y a le boss. Ok, ça fait un moment que je t'ai à l'œil. Cette fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu as détruit tous mes robots! Assez! Attrapez-le! Oh non! Ne m'attrapez pas! Oups, tu as été capturé. Objectif. Ça, c'est bon, ça. Ne songe même pas à t'échapper. Je suis dans la pièce d'à côté et je te surveille. Ok. Là, il y a des caméras partout, comme on les a vues. Et donc, désolé, on n'avait pas prévu ça. J'ai creusé jusqu'ici, je pense que personne ne m'a vu. Mais cet endroit est plein de robots. Il faut qu'on te sorte d'ici. J'ai une idée. Trouve un moyen de distraire le robot. Je me charge du reste. Tac. Incroyable, je te laisse seul 2 petites minutes et tu trouves quand même le moyen de détruire quelque chose. Est-ce que tu sais le temps que ça prend de remplacer ça? Il y a des tonnes de papier à remplir et j'ai besoin de l'autorisation des managers. C'est toujours comme ça de toute manière. Hein. Ça va prendre des siècles. Merci d'avoir gâché ma journée. Ne touche plus à rien. C'est sur un écran, j'ai cru le voir. J'ai la clé. Et voilà. Qu'est-ce que c'est cette chose là-bas? Bon, c'est pas grave. Hop. Bouche d'aération pour s'enfuir. Comme dans tout bon film. Ascenseur. Échappe-toi du volcan. Attends. Oula, y a du monde. La pièce d'à côté est pleine de robots. Sois discret. S'il te voit, tu vas te faire prendre. Donc. Ah, activé. Ah.
sans. On va arriver. Là. Vous, ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Okay. J'ai vu ce que ça faisait quand on se faisait. À voir, là c'est de l'infiltration. C'est ici. Et quoi? Je ne t'ai pas demandé de réparer cette porte la semaine dernière. Non. Je me rappelle parfaitement t'avoir demandé de la réparer. L'imperfection est beauté. On est d'accord sur ce point. Mais quand même, ce serait bien que tu répares cette porte un de ces jours. Bordel de merde. Vous, ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Ah mince, bah ouais, bah pourtant... quand même, là, c'est déconné, là. Il aurait pas dû me voir, moi. Alors, tac. Ouais, j'ai largement le temps, en fait. J'ai voulu anticiper, mais... On dirait un plan pour construire une ville géante. Il faut vraiment qu'on te sorte d'ici. Échappe-toi du volcan. Non, pareil. Et là, on ouvre la porte. On va monter là-dessus. Là. Ah oui, donc. C'est pas là. C'est là. C'est là. C'est pas là. C'est pas là. Zut de zut. Tu peux me montrer oui. Donc là ça fait un triangle comme ça. Et ça fait un triangle. Donc là il y a quelqu'un. Là, il n'y a personne. Ouais, mais comment je fais pour aller là? Je vais aller là, mais là, il y a quelqu'un. Là, il n'y a personne. Comment je fais pour aller là-haut? Obligé d'aller là-bas. Obligé d'aller là. 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 Oups. Et là, on commence. Là, 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 là. Et là. Allez, infiltration. Ah, c'est le boss. Alors, c'est terminé. Ça va ressembler à ça. Oh, tous les bâtiments que vous avez demandé, ils sont... Où est ma maison? Vous avez pensé à ma maison? Oui, elle est juste ici, au milieu. Ah oui, je la vois. Elle sera prête pour la grande éruption? Nous avons déjà commencé la production. Bien, très bien. Je devrais aller vérifier ça. Allez, va vérifier ton... ta cité. Tiens, voilà. Casse tout. La grande éruption? Mais de quoi il parle? Quelque chose ne tombe pas. Ascenseur. Intrusion. Intrusion détectée.
alerte, intrusion, activation des lasers. Non, attends, je suis encore... Bon. Ok, donc là, les lasers... C'est là. Non, c'est pas là. Voilà, comment je peux aller. Ah, mais je peux pas. Oh, non. Réfléchissement, Jean-Pierre. Là, il y a un laser. Ah mince, je peux pas. Non, je peux pas. Zut, j'ai pas de laser. Non, je peux pas. Ah. Tonton. Ah, c'est fait. Passons, passons par là. Hello. Je comprends. Oui, je comprends. Mais... Activer ça, on va les choper là-haut. Et voilà. Vous avez trouvé un trophée, robot de Sunshine Inc. INC, je sais pas comment on dit. Incorporation. Hop, hop. Paf, porte est ouverte. De flûte. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Là-bas, je désactive ça. Ok. Bien là. Comme ça. Ça y est, on s'enfuit. Chariot élévateur. Très bien. Non, c'est ça. Tout ça c'est fermé, 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 je peux rien faire. Désolé. Ça fait ah, petite, ça fait des semaines que vous travaillez là-dessus et ce n'est toujours pas prêt. Désolé. On parle d'un monde nouveau là, un monde parfait. Désolé. Seront-ils prêts pour la grande éruption? Désolé. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Tous les citoyens de Sunshine Town doivent être parfaits, tu comprends? D'accord. Bien. Assure-toi que tout soit prêt pour le point pour le mois prochain, ok? D'accord. Peu importe. Ok, go Lastico. Hé hey, on est là, aidez-nous. Une seconde, tu les connais? Qu'est-ce qu'ils font ici? Il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir la cage. On va trouver un moyen. Pas comment. Là,
Ok, ça commence bien, je peux rien faire. Donc, là, qu'est-ce qu'on ouvre? On ouvre celui-là. On ouvre celui-là. Oh putain, il faut tout que je refasse. Ah, on peut pousser le char de l'élévateur. J'avais pas vu. Donc là, c'est bon. Donc là, on va celui-là. On va activer le ventile ici. Tac. Voilà. Parfait. Et on va aller les voir. Merci. Ouf, j'ai cru que j'allais passer le reste de mes jours ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, tu te rappelles que j'avais gagné une visite spéciale au siège de Sunshine Inc. En réalité, ce n'est pas une visite. Ils nous mettent dans des cages pendant des jours et des jours. Ils nous prennent en photo, ils nous filment, prennent nos mesures. Pour quoi faire? Ils font des expériences. Ils les appellent les Sunshiners. Ah. Flûte. Oh oh. Salut. C'est quoi ça? T'inquiète pas, ils sont inoffensifs. Ils ne sont pas très malins. C'est ça, un Sunshiner? On dirait surtout un robot en train d'essayer de vous imiter. Ouais, en gros, c'est ça. Monsieur Sunshine veut qu'il soit parfait. Et je ne pense pas qu'il s'améliore. Ce ne sont que des robots, après tout. Ils font ce que Monsieur Sunshine leur dit. La grande éruption. Sunshine Town. Mais c'est bien sûr! Je crois que j'ai compris. Monsieur Sunshine veut construire une ville géante où il pourra vivre avec tous les Sunshiners, lui obéissant au doigt et à l'œil. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Où est-ce qu'il veut la construire? Bah justement! Il va déclencher l'éruption du volcan et anéantir tous les villages de l'île pour ériger sa ville. Je retire. Très mauvaise idée. Il faut qu'on en empêche. Stop, Monsieur Sunshine. C'était pas là, 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 c'était là. Alors ici, là, c'est là qu'on a ouvert ça. Hop, et hop. Ah, là, il y a un petit secret. Ok, une araignée. Trois araignées. Quatre. Très bien. Les araignées acrobates. Ah, c'était tout pour ça. C'était juste pour découvrir le secret. Ok, donc maintenant j'aille à l'ascenseur. Et on va voir ce que ça donne. Non, là c'est de la chaîne de production. Ah, là on est sur plusieurs niveaux de profondeur, je crois. Là ça construit une maison. Il faut du bois pour construire. Et il faut de l'eau pour je ne sais quoi. Psst. Salut, on a réussi à rentrer. On est venu vous sauver.
qu'il fabrique ici? Monsieur Sunshine va détruire tous les villages de l'île avec ce volcan. Hein? Ouais, c'est sérieux. Intrusion multiple. Restez où vous êtes. Oups. On s'occupe des robots. Ça va aller. Mais tu dois stopper, Monsieur Sunshine. Prends l'ascenseur. Oula, là on est dans le volcan là. Hein? Quoi? Encore toi? Est-ce trop te demander de me laisser détruire cette île en paix quand même? Tu sais, parfois, quand tu veux construire quelque chose, il faut faire table rase du passé. Elle sera plus grande, plus belle. Bientôt, cette île sera un terrain vague. Une toile blanche où créer ma ville idéale. Vous êtes complètement fou! Comment allez-vous faire? Eh bien, je vais réveiller ce volcan et inonder cette île de lave. Une fois que je serai content du résultat, mes robots éteindront le feu avec toute l'eau que j'ai aspirée du lac. Ensuite, ils construiront des immeubles que j'ai imaginés. Et cerise sur le gâteau, ils feront pousser du maïs. J'adore le maïs. Et voilà, une ville parfaite. Tout le monde vivra dans le bonheur et l'harmonie. Moi et mes Sunshiners. Fini les accidents, les bagarres, la haine. Parce que tu peux tous les contrôler. Tu peux tous les contrôler. Des agents parfaits dans une ville parfaite. Et tu n'es pas invité. Occupez-vous de lui, les gars. Oula. Okay. Laser. Ok. Last chance. Ok, première partie. Le marteau maintenant. Faire gaffe. Ah oui. Ah, là ça va être compliqué là. Putain, j'ai pas sauté. Non mais j'ai pas sauté. Sauter, c'est pour ça, parce que j'appuie sur le bouton quand même. Concentration là, maintenant il enlève. Ernie, à la rescousse! Oui. On va lui filer un coup de pied. Salut, je suis venu te sauver. Il n'y a plus personne à sauver. Débarrassez-vous d'eux! Vous voulez dire on les zappe? Oui. Je ne vous paie pas à ne rien faire. Une seconde. Tu es payé. Bah oui, c'est pas mirobolant, mais ça couvre le loyer et les factures. Moi, non. Quoi?
Je ne suis pas payé pour faire ce travail. Et pourquoi je ne suis pas payé? On peut en parler plus tard. Je veux dire, ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles et je ne touche rien du tout. Ouais, je ne trouve pas ça normal non plus. C'est pas comme si vous étiez pauvre et tout ça. Ok, ça va, hein. Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton et zapper les gens. C'est pas la mer à boire. Pense un peu à la visibilité et à l'expérience sur ton CV. En plus, tu feras partie des citoyens de première classe dans ma ville. Quand ma ville sera terminée. Qu'est-ce que ça veut dire? 15% de réduction sur ta carte de métro. Bah, ok. Je ne fais rien tant qu'on ne me paiera pas. Pareil. Sérieusement? Très bien, je m'en fiche. Je n'ai plus besoin de vous. Je peux parfaitement réveiller ce volcan moi-même. Oh non, il va raser toute l'île. Il faut que tu arrêtes. Saute sur moi. Go. Mais arrête de me suivre. Allez, go. Oh putain. Bon. Bon, je savais pas qu'il allait faire ça. Hein. On commence. Mais arrête de me suivre. Enfin, hop, putain, l'enflure. Bien, c'est du maïs, ça fait du popcorn quand ça touche la lave. C'est rigolo. J'adore le popcorn. Hop. Putain, faut réagir vite, hein. Oh non! J'ai regardé le fond de l'image. Peut-être qu'il en jette plusieurs. Bon, c'est long. Ah, là, je suis concentré de ouf. Ah, là, j'ai pas envie de perdre la main. Hein. Hop. Hop. Ah, mais bon, enfin, après... Yes, yes. Assez. C'est l'heure de la lave. Ok, mes calculs sur la puissance du volcan sont peut-être légèrement erronés. Tu arrives trop tard de toute façon. Bientôt la lave va recouvrir toute l'île et ses cendres naîtra un nouveau monde. Un monde parfait. Paf. Allez, dégage. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je suppose que personne ne veut de ma ville parfaite. Et peut-être que
Une planète parfaite. La planète Sunshine. Attendez un peu que j'atterrisse, vous allez voir. Bon, et nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, le fantôme du début. Ah, super, t'es revenu. Je suis content que tu aies survécu. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, hein. Je suis sûr que tu as plein de questions. Qui es-tu? Ok, je vois qu'effectivement, tu as des questions. Qu'est-il arrivé à Monsieur Sunshine? Ok, je comprends évidemment que tu as plein de questions. Mais ça n'était pas une façon de parler. Ce n'était qu'une façon de parler. Je n'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions. Qu'est-ce qui m'attend maintenant? Ok, stop! J'en sais rien. Ce n'est pas parce que je suis un être omniscient que j'ai la réponse à tout. Les jeunes de nos jours, vous voulez tout et tout de suite. Bref, j'espère au moins que tu t'es bien amusé. Quoi d'autre? Ah, j'ai oublié. Ton score. Ok, laisse-moi faire le calcul. 2,8. Pas beaucoup. Paf. Ok. C'était plus facile que ce que je pensais. Pouf. Oh super, tu es là. On a réussi à stopper l'éruption en appuyant sur le gros bouton rouge. Sincèrement, mettre le bouton tout arrêté juste à côté du bouton tout détruire, c'est très mal pensé. On est content que tu sois sain et sauf. Oui, monsieur Sunshine. Je l'ai envoyé dans l'espace. Très bien. On devrait être tranquille pendant un bon moment. Merci pour tout ce que tu as fait. C'était chouette d'avoir pu compter sur toi. On devrait sortir de ce volcan et prévenir tout le monde. Sortons. Tu viens ? Et lui il est toujours dans l'espace. Ah bah le jeu est terminé. Piku Niku. Et ben voilà, c'était la fin de ce jeu. Donc j'ai laissé passer pas mal de choses quand même. J'ai pas réussi à trouver une pomme. Il y a 2-3 tableaux que j'ai pas fait. Qui sont plutôt arcade. Plutôt plateforme. Mais bon, c'est une bonne, c'est un bon petit jeu. Ça fait passer du temps. Je trouve ça vraiment plutôt cool. Bon, lui, il est toujours dans l'espace là-bas. Très sympa ce jeu. Très 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 sympa. On va laisser finir le. Ah, il y a une version Nintendo Switch. Tiens. Et ça a été fait sous Unity. La musique est très chouette aussi. Ça colle bien avec l'univers sympathique du jeu. Eh bien, merci d'avoir joué. Et je suppose qu'on doit pouvoir refaire des parties pour améliorer son score. Parce que là, j'ai eu 2,8. Alors, je ne sais pas si c'est sur 5, sur 10. Mais voilà quoi. Bon, je pense que je vais quand même me le refaire parce que j'ai envie de pas de faire le 100%, mais essayer de trouver quelques trucs. Écoutez, Piku Niku, c'est fini. C'était Dark Steph. Vous étiez sur Dark Arcade. Et on se retrouve pour un prochain jeu. Un prochain jeu Amstrad. N'oubliez pas les petits j'aime, les abonnements. Et laissez-moi un commentaire si vous avez envie de discuter. Allez, ciao, bye bye!